Ça y est, il est sorti. Et il est même ici. Shin Megami Tensei 5 sur Nintendo Switch. Une exclusivité JRPG de qualité. Ça y est, on l'a enfin. Alléluia, comme diraient certains. Nous avons enfin ce jeu et on va pouvoir y poser les mains dessus. Et je suppose que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez pas mal de questions sur le jeu. Eh bien, ça tombe bien. Je vais vous donner quelques conseils pour bien progresser, même en mode hard. Allez, c'est parti. Déjà, dans un premier temps, on va parler de l'exploration, car il y a bon nombre d'éléments à découvrir dans les différentes zones du jeu. Dans un premier temps, on a les petites sphères au sol qui permettent de régénérer les HP, les MP, mais aussi la jauge de Magatsui. Ces différentes sphères sont toujours au même endroit. Si vous avez repéré un spot, gardez bien en tête le spot, parce qu'au bout d'un certain temps, après avoir visualisé d'autres zones ou après avoir exploré différents lieux, si vous y retournez, eh bien les sphères vont réapparaître. Donc ayez en tête ces différents spots pour pouvoir y retourner et vous régénérer plus facilement entre les combats. Ensuite, on trouve aussi les distributeurs de boissons. Les distributeurs de boissons, eux, vous donnent des objets qui sont uniquement revendables. On les revend auprès du marchand qui vous donne des macas. Et les macas, en fait, vous permettent de régénérer vos démons sur les points de sauvegarde, mais aussi vous permettent d'acheter des objets classiques, mais aussi des encens et des démons que vous avez utilisés pour de la fusion notamment. Donc les macas sont quand même une ressource importante. Et là aussi, pour ces distributeurs de boissons, eh bien vous allez pouvoir y retourner, car ils se régénèrent au fur et à mesure que vous explorez les zones. Donc vous pouvez faire des petites rondes de farm pour récupérer aussi beaucoup d'objets et en revendre pas mal et vous faire pas mal de thunes au niveau des macas. Autre élément qu'il est important de découvrir dans les zones, ce sont les fameuses sphères dorées qui sont en fait des coffres. Et là, pour le coup, comme n'importe quel autre JRPG classique, eh bien les coffres, une fois ouverts et une fois l'objet acquis dedans, c'est terminé, ils ne se régénèrent pas. On a l'essentiel de ce qu'il fallait trouver à l'intérieur. Mais faites attention à ces coffres, ils sont assez nombreux, on les voit bien sur la map. Et surtout, eh bien ils donnent beaucoup de ressources intéressantes, notamment des Glory, qu'on va voir à quoi ça sert tout à l'heure. Justement, en parlant des Glory, on a des êtres qui s'appellent les Miman à découvrir dans les différentes zones. Ils sont cachés par-ci par-là, il faut être assez attentif et il y en a un bon nombre à trouver. Quand vous les trouvez, ils vous donnent 5 points de Glory. Mais en plus de ça, quand vous les cumulez, vous allez voir le marchand et le marchand, en fait, selon les paliers, va vous donner des récompenses sur le nombre de Miman que vous allez lui trouver. Donc soyez vigilant de bien tous les trouver. Pour les points Glory, je rappelle à quoi ça sert, donc je vais même vous le dire à quoi ça sert. Eh bien, c'est pour gagner des skills dans le monde des ombres, où vous allez avoir des différents passifs, débloquer plus de démons, apprendre des passifs pour le héros, etc. Augmenter ses skills potentiels. Bref, vous allez avoir énormément d'éléments à débloquer avec ces points Glory, donc faites très attention à trouver le maximum, voire la totalité des Miman. Il est quand même important de signaler qu'il y a un démon qui permet de vous localiser tous les Miman de la zone en payant avec des macas. La première zone, par exemple, c'est 2500 macas. Vous avez directement les emplacements de tous les Miman de cette zone et donc du coup pas de stress dans le style de j'ai peur d'en avoir oublié un. Non, vous allez tous les trouver grâce à ce petit démon et quelques macas. Enfin, au niveau de l'exploration, on a notre petit démon pisteur, on va dire, qui nous suit, qui ne fait pas partie en fait de l'équipe, mais qui vous permet de trouver des objets au sol. Et donc ça, il faut être vigilant, vous avez des symboles sur la carte, d'aller sur ces symboles et de récupérer l'objet. Vous allez avoir beaucoup d'objets intéressants, mais vous allez rencontrer les Mitama qui sont encore plus intéressants et je vais même expliquer à quoi ils servent. Concernant les Mitama, il y a plein de choses intéressantes à dire. Déjà, vous en avez 4 différentes. Vous en avez une bleue, celle-ci vous permet en fait de gagner énormément de points Glory. Vous avez ensuite la Mitama rouge, celle-ci vous donne de l'expérience pour les démons. Vous avez la Mitama noire qui vous donne de l'expérience pour votre personnage principal. Et enfin, vous avez la Mitama dorée qui vous donne énormément de ressources pour gagner des macas.
Ces 4 Mitama, vous allez pouvoir les rencontrer dans les zones de jeu. Elles sont visibles à l'œil nu en fait en extérieur. Si vous vous baladez, au bout d'un moment, vous avez des spots où on retrouve souvent des Mitama, mais elles peuvent apparaître un peu partout. Et en faisant X combats au sein d'un groupe, vous pouvez aussi découvrir des Mitama. La dernière façon de découvrir les Mitama, c'est en faisant de l'exploration avec votre démon pisteur et en creusant. Au lieu de trouver un objet, vous allez rencontrer un combat et parfois, même souvent, ce sont des Mitama. Pour les Mitama, le réflexe à avoir, c'est de conserver un stock de lunettes. Les lunettes, en fait, vous permettent de découvrir quelles sont les faiblesses de l'ennemi. Et concernant les Mitama, ça ne cesse de changer. Et ils n'ont qu'une seule faiblesse. Et si vous tapez avec les autres, eh bien, ils absorbent tout le reste. Donc, du coup, il faut absolument découvrir la faiblesse. Et comme vous ne pouvez pas la deviner, ou du moins, vous n'avez pas assez de temps pour la deviner, parce qu'après, ils fuient les Mitama. Donc il faut utiliser les lunettes et exclusivement les lunettes, utilisez-les sur les Mitama. Ça sert à rien de l'utiliser sur les autres démons, puisqu'en tuant les démons en question, vous allez découvrir les faiblesses. Donc c'est vraiment sur les Mitama qu'il faut utiliser les lunettes, découvrir la faiblesse et la balancer pour le détruire en un coup, parce qu'ils sont très fragiles. Et une fois que vous avez balancé le moindre sort de l'élément en question qu'il craint, eh bien il est automatiquement mort. Donc pensez bien à faire attention aux Mitama, ayez le réflexe si vous avez besoin de farmer, de faire des rondes là encore pour en avoir un maximum. Et pour les Mitama qui donnent de l'expérience, ça vous amène au maximum de votre jauge d'expérience pour le niveau actuel, donc il vous faudra faire encore un petit combat pour passer au niveau supplémentaire. Mais en tout cas, c'est un très très bon moyen de farm. Petite précision, un DLC est prévu pour en avoir plus de Mitama, mais sincèrement on en rencontre déjà beaucoup en ayant le jeu de base, et je ne suis pas sûr que ce soit utile, même en mode hard, d'acheter le DLC. On va parler maintenant du recrutement des démons en fait en combat, car en effet quand vous êtes en combat, vous avez la possibilité de parler aux démons et donc essayer de le recruter en négociant. Au niveau de ce petit jeu de négociation, déjà faites attention à votre phase de Magatsui. En effet, votre phase de Magatsui peut influencer vos chances de recruter vos démons que vous avez en face de vous. Certains vont être plus enclins quand on va être au max, d'autres quand on est à moitié et d'autres quand on est vidé. Donc il faut faire attention aux phases et être assez observateur et tester un peu les différentes phases. Ensuite, eh bien, les démons au moment de la négociation vont vous poser des questions. Selon comment vous répondez, eh bien ils vont peut-être vous demander par la suite des macas, donc de l'argent, des objets, ou carrément vous demander des HP ou des PM. Donc selon le type de démon et selon le côté un peu aléatoire des choses, eh bien on peut vous demander un peu de tout et même plusieurs fois la même chose. Donc faites attention de pas trop gaspiller, faites attention de voir si vous êtes prêt à y mettre ce prix là ou si vous êtes prêt à donner autant d'objets, parce qu'il peut vous demander un peu tout et n'importe quoi. Bonne nouvelle quand même concernant le recrutement, si vous avez réussi un recrutement mais que hélas vous avez oublié que dans votre équipe vous étiez au complet, eh bien ce n'est pas grave, vous faites de la place dans votre équipe, vous partez du combat en fait, et vous allez faire de la place dans votre équipe, et une fois que vous avez de la place, vous allez rencontrer une nouvelle fois le démon en question, vous allez lui reparler, et il se souviendra que vous avez réussi la négociation, et automatiquement il vous rejoindra. Ça c'est une très bonne chose. Maintenant, on va parler des choses sérieuses, on va parler même du nerf de la guerre, on va parler des combats. Oui, les combats, ce système de gameplay au tour par tour s'appelle le press turn, et il y a quelques subtilités à expliquer dessus. Déjà, vous allez avoir 4 symboles de façon ronde, là, bleu. Ce sont le nombre de tours dont vous disposez pour faire vos actions. Ça représente aussi le nombre de personnages que vous avez dans votre équipe, c'est-à-dire le Naobino, le personnage principal, qui est obligatoire, et les 3 autres démons. D'ailleurs, à ce sujet, vous allez faire un game over dès l'instant que votre Naobino a 0 PV dès qu'il est mort, en fait. Même si vous restez démon, vous êtes game over. Donc, ces 4 actions sont liées, en fait, à vos 4 personnages. À chaque fois que vous allez utiliser une action, vous avez la possibilité de gagner un tour supplémentaire. Quand vous gagnez un tour supplémentaire, vous allez avoir le symbole qui va arriver en surbrillance. Donc, vous l'aurez compris, si vous avez
4 symboles, vous avez la possibilité d'en passer 4 en surbrillance, et donc ça vous fait un total de 8 tours qu'il est possible d'avoir au moment de votre action à vous en tant que joueur. Et c'est le même système d'ailleurs pour l'ennemi, il va avoir exactement le même système. Donc du coup, il va falloir essayer de caser les attaques intéressantes au moment où vous avez des bonus à gagner ou pas. Par exemple, on va faire la liste des attaques qui vous permettent de gagner des tours. Vous avez le weak, c'est-à-dire le fait d'utiliser un élément dont le monstre est faible, ça va vous donner en fait un tour supplémentaire en surveillance. La deuxième chose, c'est le critique. Le critique, en effet, permet de gagner un tour à chaque fois que vous allez faire une attaque critique physique. De base, les attaques magiques ne font pas de critique, mais vous avez certains boosts qu'on verra tout à l'heure qui permettent de faire des critiques sur les attaques magiques, mais de base, elles ne peuvent pas. Ensuite, vous avez l'action passer. En effet, si vous passez pour le monstre suivant, eh bien, vous allez pouvoir gagner un tour. C'est-à-dire que le fait de passer, ça compte un peu pour du beurre, entre guillemets, et ça met un surbrillance une icône. Donc ça, c'est toujours bon aussi de le savoir. L'autre moyen de gagner un tour, ou du moins qui consomme pas vraiment un tour, c'est le change, c'est-à-dire le fait de changer de démon, c'est-à-dire vous avez un trou dans votre équipe, vous invoquez un nouveau démon, ou vous échangez deux démons, eh bien, ça a pour conséquence de mettre en surbrillance une de vos icônes. Bien évidemment, si vous êtes en train d'utiliser en fait une icône qui est en surbrillance, mais qu'il vous reste d'autres icônes qui ne sont pas en surbrillance, vous pouvez cumuler, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'icônes en surbrillance, des actions qui font gagner des tours. Donc vous l'aurez compris, après, une fois qu'on a tout en surbrillance, ça ne sert plus à rien, enfin du moins, ça ne va plus vous faire gagner de tours, que de faire des weak, des crits, de faire des change, dépasse. Voilà, donc ça c'est important de bien l'avoir en tête. Ensuite, au niveau de la synergie, il est aussi intéressant de préciser que la jauge de Magatsui qui vous donne des skills Magatsui, eh bien, est gratuite, c'est-à-dire qu'elle ne vous consomme pas de tours. Quand elle va être utilisée, cette compétence Magatsui, vous allez juste lancer votre buff, par exemple de critique, le premier que vous avez, et derrière, eh bien, ça ne va pas du tout vous consommer de tours, ni la mettre en surbrillance, ça va toujours être votre tour. Donc ça, c'est important de le préciser, parce que ça peut avoir de lourdes conséquences, en fait, sur le jeu, hein, puisque quand vous avez un buff qui vous donne du critique, ça veut dire que derrière, vous avez potentiellement 8 actions assez vite offertes, puisque vous allez faire des crits à chaque fois. Donc vous voyez que cette synergie du press-turn est très importante. Ensuite, au niveau de l'orientation du personnage principal, moi je vous conseille de mettre en priorité de la magie, puisque la magie va vous donner accès au début du jeu à tous les weaks possibles, c'est-à-dire rajouter tous les skills de tous les éléments, et comme ça vous allez pouvoir être toujours en réponse d'un ennemi qui va être de type glace ou je ne sais quoi, et donc faire attention de toujours avoir toutes les magies à disponibilité pour pouvoir être sûr de gagner un maximum de tours supplémentaires. Donc ayez bien en tête le fait que le personnage principal orienté magie donne quand même un gros plus à mon sens. Dernière astuce concernant les boss en combat, faites attention à leur attaque Magatsui qui font excessivement mal. Vous pouvez anticiper et bloquer ces attaques en utilisant les objets suppression. Ces objets bloquent un type d'élément et donc permettent de survivre pendant un tour. Et comme vous bloquez toutes les attaques sur toute votre équipe, eh bien vous allez passer à votre tour directement. C'est un bon moyen d'éviter ces attaques spéciales qui font excessivement mal. Par contre, faites attention, vous pouvez avoir que 3 suppressions pour chaque élément dans votre inventaire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Shin Megami Tensei 5 pour vous donner quelques astuces, manière de bien débuter dessus. Si ça vous a plu, ben vous savez qu'il y a le pouce vers le haut pour soutenir cette chaîne et cette vidéo. Vous avez aussi l'espace commentaire en bas de la vidéo qui vous permet en fait de poser vos questions et j'y réponds systématiquement en général.
Pareil, si vous avez des conseils à donner, vous avez l'espace commentaire qui peut vous être utile. Et enfin, si vous aimez Shin Megami Tensei, que vous voulez en voir davantage, eh bien abonnez-vous à la chaîne et regardez aussi ma chaîne Twitch que vous avez en lien dans la description. Je fais beaucoup de streams et j'en ferai beaucoup ces prochains jours concernant Shin Megami Tensei 5 parce qu'on va le poncer jusqu'à la moelle. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite un très bon farm.